Bonjour, dans cette collection Les mots du cerveau, aujourd'hui on va parler du cervelet. Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lettres-secrets.com, notamment le protocole MemoCamp. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager et bien évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous aujourd'hui on parle du cervelet. C'est quoi le cervelet ? Eh bien, le cervelet, c'est littéralement un petit cerveau situé sous les hémisphères cérébraux. Il est constitué, comme le cerveau, de deux hémisphères, mais aussi d'une couche mince de tissu nerveux qu'on appelle le cortex cérébelleux. Le cervelet, donc, assure des mouvements fluides, coordonnés, précis. Il guide et module les mouvements moteurs volontaires. Il est impliqué dans l'équilibre et la posture. Il joue un rôle majeur dans l'apprentissage de la motricité. Sans le cervelet, on ne saurait même pas conduire une voiture. Le saviez-vous? Le cervelet ne contrôle pas que les mouvements. Il serait aussi appliqué dans des tâches cognitives supérieures comme la planification, l'abstraction et comme pour les mouvements, il permet une meilleure précision de nos pensées, croyances, langages et raisonnements. C'est vrai que souvent on a eu l'idée que le cervelet n'était impliqué que dans la motricité fine. Eh ben non, comme ça vous pourrez briller en société. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.